Bonsoir à tous. Merci d'être resté pour cette dernière session de la journée. On va discuter pendant ces 45 minutes ensemble de Docker Compose et notamment un peu tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières années et où on en est maintenant et ce qui est nouveau depuis quelques mois. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Guillaume Lours, je suis software engineer chez Docker depuis maintenant 3 ans. Je travaille dans une équipe qui s'appelle l'Environment Team. Donc, notre boulot au quotidien, c'est de travailler sur tout ce qui va être environnement de développement pour favoriser et améliorer la développeur expérience. Donc, qu'est-ce que ça regroupe tout ça ? On va avoir évidemment Docker Compose, c'est pour ça que je suis là ce soir. On va voir également tout ce qui est Dev Environment, qui est donc la possibilité de développer depuis votre PC au travers de conteneurs, donc c'est-à-dire en ayant juste Git et Docker Desktop d'installer. Voilà. Et on a fait récemment l'acquisition d'une société qui s'appelle Tilt, qui permet de faciliter le développement sur et Compose et Kubernetes. Et donc là, c'est tout récent. On va voir comment est-ce qu'on les intègre dans le flow de ces environnements de développement pour vous proposer une expérience la plus agréable possible autour du développement d'applications, tout simplement. Donc, voilà. Avant d'aller droit au sujet et de vous présenter un peu tout ce qu'il y a derrière les nouveautés, pourquoi une version 2 de Compose et tout ça, il paraît important de refaire un petit quelques pas en arrière, de regarder un peu l'historique de Compose et pas que de Compose, mais de l'écosystème pour comprendre pourquoi on est arrivé dans une certaine situation et pourquoi on a voulu en sortir également. Donc en juillet 2014, Docker a acheté la société Orca qui s'occupait de développer un produit qui s'appelait Fig. Fig, c'était quelque chose d'assez assez simple, mais tellement utile. En gros, l'objectif de Fig, c'était de vous permettre de mettre à l'intérieur d'un fichier YAML tous les attributs que vous passiez à votre command line Docker run. Voilà. Donc, spécifiez vos ports, spécifiez les variables d'environnement et tout ça. Et donc, d'avoir tout ça à l'intérieur d'un fichier YAML et de juste faire un fig up. Il savait lire automatiquement ce fichier YAML et il démarrait votre conteneur pour vous sans que vous ayez à vous rappeler de l'intégralité de votre ligne de commande. Donc, très simple, enfin, rien d'hyper compliqué, mais tellement agréable et facile à utiliser et à l'usage. Donc, Fig est racheté, et à la fin de l'année 2014, donc quelques mois plus tard, Docker annonce Docker Compose, donc basé sur Fig. Fig qui est un produit développé en Python, et commence alors le début de l'aventure réelle de Compose qui se veut être un orchestrateur local pour pouvoir faire fonctionner plusieurs conteneurs et donc avoir des applications un petit peu plus riches que juste celles basées sur un seul conteneur. 2 ans plus tard, enfin un an plus tard, excusez-moi, parce que c'était fin 2014, donc il s'est passé un an entre quasiment, Compose en est à sa version 1.6, et est introduit dans cette version à un nouveau format de fichier. Donc pourquoi ? Là, on met vraiment en place tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner du multi-conteneur. On définit la notion de service, et donc on peut réinventer un petit peu tout ça, et avoir facilement au sein d'un même fichier de configuration Docker dashcompose.yaml, plusieurs services qui vont tourner ensemble. On va commencer à introduire les notions de volume, de network qui n'étaient pas là dès le début, et ça va s'enrichir. Arrive à ce moment-là également, avec ce versionning, quelque chose d'important, c'est que
une version, alors excusez-moi, je repasse, hop, et ça on le retrouve dans la doc, l'ancienne doc de Compose. Alors vous voyez pas, je vais zoomer un petit peu. Voilà, ça a été un petit peu mieux. Une matrice de compatibilité, c'est-à-dire pour chaque version en fait d'un Compose file, il y avait en face une référence de l'engine qui était capable de supporter les nouvelles fonctionnalités. Donc on avait ce mapping, voilà, la version, si vous vouliez utiliser des nouvelles fonctionnalités introduites dans la version 2.2 du Compose file, il fallait avoir une version 1.13 ou plus pour que ça soit supporté. OK ? C'est un peu le début des ennuis. Ensuite, on a un an après, un petit nouveau qui arrive sur le marché et qui va venir un peu chambouler la vie du format Compose. Donc, avec la version 1.10, on sort un format V3. Et ce format V3, il est fait pour supporter les commandes Docker Stack. Et les commandes Docker Stack sont liées en fait à l'apparition de Swarm. Swarm qui était l'orchestrateur, qui a un orchestrateur qui existe toujours, qui n'est plus géré par Docker, qui est géré par Mirantis maintenant, qui fut un temps concurrent de Kubernetes direct et qui permet en fait de déployer dans le cloud plus facilement qu'avec du cube. Et ils se sont dit, mais les gens adorent le format Compose, on va réutiliser le format Compose pour pouvoir déployer facilement des stacks dans le cloud. Sauf qu'évidemment, entre du déploiement local et du déploiement dans le cloud, ça ne se passe pas de la même manière, quoi. Essayer de faire un bind, de monter un volume avec un répertoire local dans le cloud, ça n'a pas trop de sens. D'accord ? Et inversement, scaler un nombre de nœuds localement par rapport au cloud, ça n'a pas du tout le même intérêt c'est complètement différent. Et donc on s'est retrouvé en fait avec ces deux formats de fichiers pour le même produit, mais qui ne réagissaient pas de la même manière. Donc en gros, on a des gens qui se sont mis à dire, c'est pas dur, compose avec le système de fichiers version 2, c'est pour du local, et puis tout ce qui est 3, c'est pour le cloud. C'était pas vraiment l'intention, quoi. L'idée n'était pas de séparer les deux, mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... prenons tout simplement un exemple. Voilà. Donc j'ai un fichier Compose là, qui a plusieurs services. Alors on va commencer par le bas. En bas on s'en fiche, ça a peu d'intérêt. On a un proxy qui va dépendre d'un back-end. D'accord ? On a également une base de données Postgres qui démarre et qui a une notion de health check, qui va aller vérifier et donner l'état de son statut. En vérifiant que Postgres est ready et en s'appuyant sur la base de données et sur l'utilisateur derrière. Et ce service base de données va être utilisé par un back-end qui va en dépendre, mais qui va en dépendre en spécifiant une condition bien particulière, qui est de dire, moi, je ne vais démarrer que quand la base de données elle sera up and running, pas quand elle a commencé à démarrer, je veux qu'elle soit opérationnelle, parce que j'ai besoin d'aller injecter des data au démarrage de mon service, enfin peu importe, quoi. Mais j'ai besoin qu'elle soit opérationnelle. Donc si je prends du Compose V1, Docker, alors, j'utilise une petite syntaxe particulière, qui est le petit nom interne de Compose V1 quand on a un Docker desktop et qu'on veut l'invoquer directement. Si vous utilisez Docker Compose, attendez, hop, je vais le mettre pareil, un petit peu plus grand, vous avez juste ici à décocher l'option Compose V2 pour dire que vous voulez utiliser V1. Mais comme moi, j'utilise Compose V2 tous les jours, j'ai pas trop envie de changer ma config, donc je vais appeler directement le binaire. Donc je vais lui dire que je veux qu'il m'exécute le fichier incompatibility.yaml. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux juste le démarrer, donc je fais un up en mode détaché pour récupérer la main à la fin. Hop, donc qu'est-ce qui se passe ? Il me crée mes différents conteneurs et tout, et l'appli est up and running. Et si je regarde tout ça,
J'ai bien un résultat qui s'affiche sur mon port 80 avec un blog post qui répond. Super. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose en utilisant Swarm? Donc, je vais faire un Docker stack. D'accord? Je vais lui dire de l'appeler deploy parce que, bon, bah, pourquoi est-ce que utiliser hop Enfin, deploy, il y a vraiment plus de sens hein, dans le cadre du cloud, évidemment, que localement. Mais du coup, on a, vous voyez, deux verbiages différents en plus, alors que ça s'appuie sur les mêmes formats de fichiers. Voilà. Donc, je vais lui spécifier, donc avec -c, le compose file qui m'intéresse. Et il faut lui donner un nom à cette stack. Donc, je vais l'appeler boxed. Et là, c'est le drame. Alors, vous ne voyez pas, c'est écrit un tout petit peu petit, mais il me dit que. Ben moi, j'ai un souci parce que ton depend zone avec la petite condition que le service il est LC, ben, je sais pas la gérer. Puis en fait, j'ai pas à la gérer. Moi, je suis cloud native, donc c'est aux apps de savoir gérer correctement leur reconnexion et tout ça. Ou c'est à un plus haut niveau dans l'orchestration que ça doit être géré, mais c'est pas là au niveau de la stack. Et voilà. Et donc là, c'est le drame, c'est-à-dire qu'on a deux formats de fichiers V2, V3 qui sont considérés pour être utilisés local distants, alors qu'en fait, on a des fonctionnalités qu'on aurait aimé avoir disponibles dans les deux cas de figure et qui ont été développées que par exemple que dans la V3 ou que rajoutées dans le format V2. Et ça fait des années que les utilisateurs se retrouvent avec ça à gérer. Plutôt très désagréable quand même. Donc, il y a 2 ans, au travers de partenariats avec Microsoft et Amazon, on a développé une CLI qui permet de déployer dans des services cloud de ces deux cloud providers, à savoir ECS chez Amazon et CI chez Microsoft. Donc, c'est pas du cube, hein, c'est vraiment des gestionnaires de conteneurs. Hein. Ces deux services gèrent du conteneur directement et pas toute une infrastructure d'orchestration. Au travers de ce travail, et ben on est reparti en disant bon, on va réutiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser, du Go, pour pouvoir s'appuyer sur des libs internes qu'on a et tout ça. Et vite venu le fait que. Ça serait bien en fait qu'on puisse s'abstraire et qu'on laisse tout ça derrière nous, cette gestion de fichiers, de versionning de fichiers là, qui vient perturber les utilisateurs plus qu'autre chose et les limite dans leurs usages de Compose. Donc, et ben, en travaillant avec Microsoft et Amazon, il était décidé de splitter Compose en deux, c'est-à-dire d'avoir le runtime d'un côté et de sortir le format de fichier, de créer une spécification et de faire vivre ce format de fichier indépendamment de l'implémentation. Et on va revenir un petit peu après sur ce que ça signifie derrière. En août 2020, la première version, bah du coup, avec ce travail qui a été fait en commun sur ce déploiement avec ces deux cloud providers, on se retrouve à avoir une base de code Go qui fait à peu près la même chose que Compose, enfin qui reprend des bouts de Compose qui est écrit en Python en Go. Et donc on s'est appuyé là-dessus pour faire la nouvelle version de Compose en Go. Et on verra aussi les intérêts que ça a pour Docker et pour l'écosystème et les utilisateurs derrière. Et là, en avril dernier, après 2 ans de tests un peu poussés et tout ça, on a annoncé officiellement que Compose V2 était GA. Ça, c'est presque anecdotique. Le truc qu'il faut retenir derrière, c'est qu'adossé à cette annonce de Compose V2 GA, c'est qu'on a annoncé également que la version Python de Compose était end of life et que d'ici 1 an, elle ne serait plus maintenue que pour des security fix et qu'il se passe déjà plus grand-chose dessus. Hein. Mais voilà, elle ne sera plus supportée dans Docker Desktop. Il n'y aura plus de nouveau packaging pour les différentes distros Linux disponibles et tout ça. Voilà, on va faire un petit peu le tour là, de ce qui est l'historique de Compose et c'est assez important pour avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui vient derrière. Donc, acquisition de Fig,
l'annonce de Compose quasi dans la foulée, donc toujours sur du Python. Pendant quelques années, on fait évoluer toutes ces versions Python en gérant des formats de fichiers avec des objectifs un peu différents. Et puis enfin, on commence à retravailler sérieusement sur le fond, séparant le format de fichier de l'implémentation, travaillant sur une version Go enfin de Compose. Et voilà, on en est là aujourd'hui à savoir que vous pouvez utiliser Compose V2 sans aucun souci. Donc cette Compose spécification. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Comme je vous l'ai dit, on sentait bien qu'il y avait des usages différents. Il y a même des gens qui utilisaient le format Compose dans leur coin sans utiliser le runtime parce que en fait, ça correspondait à un formalisme de description qui leur convenait bien. Nos camarades d'Amazon et de Microsoft, eux, ont vu tout de suite l'intérêt de ce format pour les aider à faire des descriptions simples sur des petites stacks pour déployer sur leur système de gestion de conteneurs. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, on va pouvoir avoir un formalisme qui va être agnostique du cloud provider que vous allez utiliser. On a déjà une implémentation de référence qui existe, on a Compose. Donc on est capable de montrer comment est-ce on peut gérer ce format de fichier au travers du code existant avec Compose. On a proposé, on a complètement séparé la partie parsing et vérification du format de fichier dans une librairie en Go, ce qui fait que si vous faites du Go de votre côté, vous pouvez vous appuyer sur la compo spec. Vous avez la petite librairie qui vous permet de valider qu'un fichier YAML qu'on vous fournit en entrée respecte bien la spécification Compose et tout ça. Et imaginez de nouveaux cas d'usage basés sur le format Compose, quoi. Et évidemment, voilà, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec les équipes de Microsoft Azure, d'Amazon Web Services et notamment quelques contributeurs personnels, notamment, je pense à la personne qui travaille sur Compose avec un K, qui est une appli qui permet, à partir d'un fichier Compose, d'aller déployer vers du Kubernetes. Comment ça fonctionne et si vous avez envie de participer pour faire évoluer cette spécification, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut commencer par aller sur le repo GitHub de la spécification. Ensuite, commencez, s'il vous plaît, par aller regarder s'il y a, dans les issues, s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a proposé la même idée que vous. Si c'est le cas, venez étayer ce qui a été décrit ou proposer une version alternative. Au travers de commentaires, décrivez votre cas d'usage, montrez en quoi il diffère de l'autre, et est-ce que la proposition qui a été faite initialement doit être adaptée ou pas. Voilà. Mais ça va éviter de se retrouver avec des doublons, voire des triplons sur les mêmes besoins. Si jamais ça n'existe pas, et tant mieux. Créez une issue en respectant le template qu'on vous proposera. Et dans l'idéal, c'est de proposer en rapport à cette issue l'implémentation. Alors quand je dis l'implémentation, la pull request qui va modifier la compose spécification pour pouvoir montrer ce que ça pourrait donner. Et puis après, les mainteneurs, ce n'est pas que des gens de chez Docker. Il faut plusieurs approvals pour les avoir. Après, on attend que les mainteneurs review et donnent leur avis, vous demandent des changements ou pas. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut donner réellement? Bon, déjà, vous pouvez aller sur le site de la CompoSpec, qui vous donnera des liens vers tout ce qu'il faut, voir aussi que vous pouvez aller voir les exemples de Awesome Compose qui vont vous montrer des choses un peu plus riches que juste des petits exemples de base que vous pourriez trouver dans la spécification. Un lien vers l'implémentation de référence et tout ça. Et puis en haut, enfin tout simplement, on clique et puis on va sur la spécification. C'est quelque chose d'assez simple en fait, hein. C'est principalement des fichiers Markdown qui viennent décrire déjà tous les termes qui sont utilisés en rapport à la RFC de base. Et puis après, ça va vous décrire c'est quoi un compose file, c'est quoi des services, quels sont les éléments de haut niveau, les profils. Et là, vous avez vraiment toute la spécification. Et vous voyez, enfin,
C'est pas neutre. Et là encore, je suis en train de vous montrer uniquement la partie standard, parce qu'on a un petit débraiement pour la partie liée au build, on a des choses différentes pour la partie liée au déploiement, justement. Donc on sait bien faire la différence du local, du déploiement externe sur du cloud, avec les sections de déploiement et tout ça. OK ? Et du coup, ça ressemble à quoi une pull request, enfin une soumission de proposal. Ça peut ressembler à ça. C'est décrire le problème qu'on essaye de résoudre, décrire la solution qu'on aimerait avoir, et puis mettre le maximum d'informations possibles, et puis éventuellement montrer ce que ça pourrait donner une fois que tout le monde est d'accord pour s'occuper de ça. D'accord ? Donc, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est juste pas simple, c'est-à-dire que c'est l'agrégation. En fait, on a eu, comme je vous disais, plein de gens qui ont ouvert des issues sur le même sujet, plein de proposals, et en fait, celle-ci, elle s'occupe juste de reprendre toutes les différentes proposals pour s'assurer qu'on a bien répondu à tous les besoins et qu'on est bien aligné. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de regarder d'abord si ça n'existe pas avant de proposer une nouvelle fonctionnalité. OK ? Pardon, hop. Donc voilà un peu ce qu'est la compose spécification et l'intérêt qu'il y a derrière, c'est-à-dire que le format n'est plus lié directement à compose et peut permettre de couvrir de nouveaux cas d'usage. Par exemple, là, commence à être discuté le fait d'ajouter une section liée au développement pour pouvoir définir est-ce qu'on fait du watch sur les modifications de fichiers pour faire du hot reload, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à proposer les besoins que vous pourriez avoir, par exemple, dans le cadre du développement, pour avoir une section spécifique. Et quand vous démarrez un service en mode développement, qu'il soit capable de faire des choses différentes. On commence aussi à discuter, à parler de rajouter des hooks sur le cycle de vie des conteneurs. Être capable de dire qu'avant la création du conteneur, je veux faire des trucs. Une fois qu'il est créé, mais pas encore démarré, je vais en faire d'autres. Une fois qu'il est démarré, tout ça. Et avant de le détruire, par exemple. Et ça c'est des choses qui sont attendues, notamment dans les cadres de développement, où on peut avoir différentes choses à faire. Donc, c'est dans la partie compose spec que tout ça va se passer maintenant. C'est indépendant de l'implémentation. Et évidemment, avant de passer à compose V2, Ça veut aussi dire que les implémentations, elles peuvent supporter tout partie de ce qui est défini dans la spécification. Donc, vous le saurez soit au build, soit au runtime. Le runtime que vous allez utiliser va vous dire ça, je sais le gérer ou je ne sais pas le gérer. Tout simplement. Il est possible que voilà, votre runtime vous dise non, moi, les. Le fait de monter des fichiers locaux, je suis dans le cloud, je ne sais pas faire, donc je m'en occuperai pas, quoi. Mais ça ne plantera plus comme ça le faisait avec Swarm en disant ça, je ne sais pas faire, donc je ne démarre pas, quoi. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on a réécrit Compose en Go ? Chez Docker, on utilise Go depuis des années. Compose est un de nos produits majeurs et c'était le seul à ne pas être en Go. Donc, non pas que Python est compliqué ou qu'on n'aime pas Python, hein, mais tout simplement, dès qu'on a un security fix à backporter ou une nouvelle feature qui arrive, il fallait la réimplémenter, quoi. Avec tous les problèmes que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'en réimplémentant un security fix, on peut, en se loupant, recréer un truc alors que ça a été battle-testé de l'autre côté, quoi. Donc, l'idée, c'était ça. C'était de se dire, si on a une code base en Go, on va pouvoir réutiliser l'API de la CLI, BuildX, BuildKit, directement avec Compose. Et voilà. Et puis, faut pas se mentir, nous, c'était aussi l'opportunité de dire, comme on change de langage, on en profite pour retirer ce système de versionning qui aide pas nos utilisateurs. Donc, voyons ce qu'il y a de nouveau dans Compose V2. Alors déjà, normalement, on a exactement les mêmes fonctionnalités que Compose V1. C'est-à-dire que vous prenez vos fichiers YAML écrits en Compose V1, vous les démarrez avec Compose V2, vous devez avoir le même comportement. Si ce n'est pas le cas, ouvrez une issue, mettez bien tous les détails qu'il faut dans le repo Compose et on verra ce qui manque et comment adresser. Il y a tellement d'options possibles liées à la commande run de Docker que
il est possible que certaines combinaisons soient passées au travers et tout ça. Voilà. Donc, voyons ce qu'il y a de nouveau. Tout à l'heure, là, j'ai démarré une stack avec Compose B1. Ce qu'on peut faire maintenant avec Compose. Donc, déjà, première chose, c'est comme on est passé à la spécification, que c'est la Compose spécification, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir renommer et d'utiliser des fichiers qui s'appellent compose.yaml, d'accord, qui veulent bien dire qu'ils sont compliants normalement avec la Compose spécification. Ça ne veut pas dire que vos fichiers Docker dash Compose vont plus marcher, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les utiliser, il y a zéro problème. Ils seront même détectés automatiquement si vous ne les spécifiez pas. Mais voilà, ça permet visuellement de savoir que, attention, là on a déjà retravaillé, on est compatible avec la spec. Et également, ben, Compose maintenant fait partie intégrante de la CLI Docker. Et donc, ce n'est plus un binaire à part. Il n'y a plus besoin de mettre ce dash qui montrait bien qu'on n'était pas dans le reste de l'écosystème Docker. Et maintenant, on peut faire Docker espace Compose. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a rajouté un truc tout bête, mais hyper pratique. Une commande ls pour lister tout simplement l'ensemble des stacks Compose qui sont en train de tourner sur votre machine. Évidemment, on l'a rajouté avec différentes options. Hein. Donc, si je fais un compose ls en lui spécifiant que je veux du format JSON, eh ben, je vais récupérer l'output en JSON. Et puis après, à vous de jouer. Hein, vous savez faire ce que vous voulez avec GQ ou autre. Et vous pouvez commencer à faire des choses intéressantes avec tout ça. Simple, hein, mais petit ajout qui peut pour certains avoir son intérêt. Deuxième chose, on a introduit une commande qui s'appelle cp, qui va vous permettre de copier des fichiers depuis le host dans des conteneurs ou depuis des conteneurs dans le host, sans savoir combien est-ce que vous avez de conteneurs qui fonctionnent ou tout ça. Voilà. Donc ici, j'ai un compose file qui est un Redis qui tourne. Il est issu de Awesome Compose, qui a tout un ensemble d'exemples, retravaillé. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une pull request pour mettre à jour de l'autre côté. Et donc, en fait, qui démarre deux réplicas d'un service web qui sont gérés par un Nginx derrière. D'accord ? Donc, comment est-ce que ça se passe tout ça ? Du côté Nginx, il n'y a rien de particulier. On dit juste qu'on va s'occuper d'écouter le service web, tout simplement. Bon, il y a deux réplicas, il y a deux réplicas. Vous voyez, dans le Nginx, il n'y a rien de particulier. Et tout se passe ici avec cette fonctionnalité. Donc, hop, Docker compose, je lui donne le nom de mon petit fichier, c'est le 03. Je fais un up, je le démarre. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai deux nœuds, ils arrivent à se conflicter sur le, sur le port. Bravo les gars, je vous ai mis un range assez large, mais vous voulez prendre la même. Donc voilà, les services sont démarrés. Si je vais regarder sur mon port, donc là, ça ne tourne pas sur le port 80, mais sur le port 80, pas sur le port 80, mais 80-80. Et vous voyez, donc là, le petit H, là, c'est l'ID du conteneur. Et si je refresh, vous voyez qu'un coup, j'ai C0, un coup, j'ai CB, C0, CB. Ça a l'air d'être 1 sur 2. Hein. Un coup, le Nginx, il renvoie sur l'un, puis sur l'autre. OK ? Bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire ça. Docker compose. Je vais lui donner donc mon fichier 03. Et là, je vais lui dire, dans l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, il y a un fichier secret pour la base de données. Je vais copier ce fichier, donc qui se trouve dans incompatibility et db, et normalement, voilà, password.txt, ici. Et donc ce fichier, je vais le copier donc depuis le host sur mes conteneurs web et je vais les mettre dans TMP secrets. Hop. OK. Donc là, tout simplement, je lui dis à quel stack compose je me réfère. Je copie depuis mon host dans mes conteneurs. Super. Ouais. Content, Guillaume, mais est-ce que ça marchait ton truc en vrai ? Voyons ça tout simplement. Si je fais un compose, toujours pareil, avec mon fichier 03, que je veux faire de l'exec, je vais utiliser un truc que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle index,
qui permet de dire sur quel conteneur je veux aller taper en particulier. Donc là, je lui donne l'index 1, ça va être le premier conteneur, et index 2, ça va être le second. Donc comme ça, je vais pouvoir aller vérifier que dans les deux, j'ai bien le même truc. Après, il faut que je spécifie le service sur lequel je veux faire un exec, donc c'est le service web. Et puis, qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste faire un cat de ce qui se trouve dans TMP Secrets. Et là, vous voyez, il m'a affiché le mot de passe le mot de passe qui se trouve dans le conteneur. Super. C'est la même quand je change l'index? Ouais, pas de problème. Donc voilà, vous avez une nouvelle commande qui va vous permettre de copier des fichiers. Donc comme je vous disais, du service vers le host ou du host vers les services. Donc ça peut être super utile lorsque vous avez besoin de rajouter des choses dans le cadre des bugs, de monter des outils. Enfin, je ne sais pas, ce dont vous pourriez avoir besoin à l'intérieur de conteneurs. Et vous avez cette possibilité de jouer avec un index pour dire si vous voulez copier dans tous les conteneurs ou dans un seul conteneur. Voilà, c'est à loisir. Par défaut, si vous ne spécifiez rien, ça va copier dans tous les conteneurs du service. Puis si vous commencez à dire que vous ciblez un conteneur en particulier, ça va aller copier ça là-dedans. Moi, il y a un truc là qui me fatigue tout du long, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai pas arrêté de faire des -f machin, des -f trucs. Fonction d'où je me trouve dans mon arborescence, ça va marcher ou pas marcher parce qu'il va trouver le fichier ou pas. On a rajouté une option qui s'appelle -p pour project name. Donc on peut faire -p ou -project-name. Et ça, en fait, ça va vous permettre. Vous voyez, là, j'ai l'attribut name qui a été rajouté récemment dans le format compose, qui vous permet de donner un nom à votre stack prédéfini. Ce qui fait que quand vous faites un compose-p, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'actions en utilisant ce paramètre. Et notamment, moi, celle qui va m'intéresser, c'est de vérifier que si je fais un exec avec mon -index 1 et que je fais toujours pour web le cat sur slash tmp deploy, secrets, pardon. Et bien que voilà, je ne vais pas spécifier où se trouvait mon YAML et ça marche. Donc ça veut dire que si je prends cette ligne de commande-là, que je me mets dans un terminal où je suis absolument pas, voilà, je suis à la racine de mon compte, je suis absolument pas au même endroit, puis que je lui dis, tiens, montre-moi ce qu'il y a dans le deuxième. Donc là, je n'ai pas besoin de lui dire où se trouve mon fichier ou mon project dir, et il est capable de retrouver ça. Donc, cette option -p, elle est super pratique et elle va fonctionner une fois que votre stack elle a été démarrée. Donc, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas avec up, bien évidemment, parce qu'up, il faut lui donner la structure pour faire ce qu'il faut. Pareil pour build, puisqu'il y a besoin de savoir où se trouvent les répertoires de build et tout. Mais par contre, tout ce qui va être start, stop, exec, kill, voire même celle-ci aussi, Docker compose -p, si je copie son nom et que je fais down, et quel que soit l'endroit où je me trouve sur ma machine, je vais enfin pouvoir arrêter mes compose stack. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était un truc, à chaque fois, je suis là, je dis, ah, je ne suis pas au bon endroit pour l'arrêter, hein, j'ai oublié de spécifier le truc. Voilà. Bon. Là, c'est quand même un petit peu plus succinct et ça va vous permettre, comme les stacks sont nommés, de pouvoir faire un certain nombre d'actions directement sur ces stacks. Et les derniers petits trucs qu'on a ajoutés, vous avez vu, là, je vous ai montré la paire dans la partie, comment dire, compose spec. Cette proposal s'occupe de rajouter des fonctionnalités au niveau du build. Et une des fonctionnalités qu'on nous demandait régulièrement, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas passer l'agent SSH local au moment du build compose, parce qu'on va cloner des choses dans des repos privés et il faut qu'on ait un moyen de passer, montrer qu'on est authentifié pour pouvoir cloner tout ça et tout. Donc, on a rajouté cette possibilité-là. Donc, vous voyez, le proposal n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'une partie de la proposal a été adoptée et il reste encore deux, trois trucs à faire, mais ce qui a déjà été adopté et approuvé dans la spec est déjà implémenté dans compose. Donc voilà, j'ai un simple compose file qui utilise un contexte, qui utilise un Dockerfile. Si je vais regarder ce Dockerfile, donc il utilise une syntaxe particulière du Dockerfile parce que à cet endroit ici, là, on va faire un mount type en lui disant qu'on va monter
une socket SSH pour pouvoir faire des choses. Et notamment les choses qu'on va faire. Donc required, on va lui dire c'est obligatoire. Si je ne l'ai pas, je ne fais pas. Et on va lui dire de faire un git clone. Pour qu'évidemment tout ça marche avant, ça veut dire que dans le conteneur, il faut quand même qu'on ait rajouté GitHub dans la liste des hosts qui sont connus et tout ça. Et donc, comment ça fonctionne tout simplement ce truc? Il y a deux manières de faire. Là, je vais utiliser la manière ligne de commande. L'autre, c'est de rajouter dans le compose file directement que vous allez utiliser au niveau SSH votre agent par défaut. Donc, je lui dis que je vais faire un Docker compose. Il faut quand même, là, je vais lui passer mon fichier parce que comme j'ai plein de fichiers compose dans mon répertoire. Donc, je lui passe le fichier. Je lui dis que je veux faire un build. Et là, je vais lui dire que au niveau SSH, je veux qu'il utilise la connexion SSH par défaut qu'il y a sur ma machine, donc mon SSH agent. Et qu'est-ce que je veux lui dire de faire? Ben, je vais juste lui dire que je ne veux pas qu'il utilise le cache pour que vous voyez que je ne triche pas quand même. Parce que vous pourriez me dire, ton image a été déjà complètement buildée et tout, tu triches quoi. Alors j'espère que la connexion ne va pas me jouer des tours. Non, ça va. Donc là, hein, simplement, ça va aller installer OpenSSH, Git, ensuite ça va aller rajouter GitHub dans la liste des hosts connus, et derrière, bing. Vous voyez, ça n'a pas planté, mais vous n'avez rien vu. Et si je fais un Docker run de l'image qui vient d'être construite, build test SSH là, et ben, vous voyez, on vient d'avoir un LS qui a été fait, qui est l'action, la commande par défaut, et qui vous liste, je peux vous assurer que c'est ça, mais je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un repo privé, hein, la liste de tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur du repo pour les dev environments. Voilà. Donc ça, c'est cool, mais on a d'autres gens qui nous ont dit « Ouais, mais enfin, nous, ce n'est pas l'agent par défaut, on veut pouvoir passer une clé en fait, qu'on a au moment du build et faire des choses avec cette clé. » Donc. J'ai un deuxième compose file. Si je veux utiliser l'agent par défaut, j'ai juste à lui faire, à dire que je fais default là. Voilà, tout simplement dans la liste des agents que des agents SSH ou des clés que je veux lui passer. Et là, on lui dit, je vais utiliser une clé qui s'appelle fake RSA. Et dans le Docker build, qu'est-ce que ça fait? On récupère dans le conteneur la clé publique, et puis derrière, on va juste faire un diff pour vérifier que la clé privée qu'on utilise ici avec un mount type SSH, mais en lui donnant un ID, que c'est bien la clé privée qui correspond à la clé publique. Okay, donc, Docker compose-f, on est sur le 6. On va builder. Là, je vais faire des choses en plus, c'est-à-dire que je vais lui mettre un progress égale plain, pour qu'on puisse bien voir toutes les étapes, sinon BuildX va tout nous squasher à la fin, et puis on ne va pas voir forcément ce qui se passe. Et je vais lui faire, bien sûr, un no cache. Donc pareil que tout à l'heure, il installe exactement la même chose, sauf qu'à la différence, voilà, c'est que au lieu d'aller cloner depuis Git, il fait le diff. Ouais, super Guillaume, mais c'est du vent ça. Prenons la clé publique, je vais la changer et je relance. C'est pas juste pour vous montrer que je ne joue pas sur des effets que vous pourriez ne pas voir. Donc là, pareil, alors comme je fais no cache, évidemment, il est obligé de tout rebuilder et tout, mais c'est la condition sine qua non pour s'assurer que tout va bien. Et voilà, et là, j'ai bien un fail et il vient me dire, bah attends, c'est pas du tout... C'est pas du tout la clé à laquelle je m'attendais. Moi, je m'attendais à du AAAB et j'ai eu que des A, quoi. Donc, ça va pas. Donc, voilà. Donc, vous avez possibilité de passer l'agent SSH par défaut ou des clés que vous voulez. Et la dernière chose qu'on a intégrée et qui nous était beaucoup demandée, c'était... Donc, avec Swarm, on a eu l'ajout des secrets. Ben alors, en local, les secrets, ça a toujours été un peu... pas une solution hyper robuste, hein, parce que c'est monter un fichier local dans le mécanisme de secret de compose. Ça a moins de sens que dans le cloud, là, par exemple. Typiquement, c'est un cas où, au niveau local, ça a moins de sens que dans le cadre du cloud.
Mais bon, peu importe qu'on soit dans le cloud ou en local, on peut avoir envie d'utiliser des secrets au moment du build pour pouvoir, je sais pas, aller se connecter à d'autres serveurs, enfin faire des choses qui vous regardent d'ailleurs en fait. Mais ça peut avoir un intérêt. Donc ici, on a déclaré un fichier secret. On l'a déclaré comme s'appelant MySecret. J'ai au niveau... donc ce fichier contient Hello Vox Luxembourg. Hein, okay. Et dans le compose file, ce que j'ai, c'est que j'ai cette même phrase, je l'ai réécrit pour la mettre dans un fichier qui va s'appeler expected. Et là, au lieu de monter du SSH, je vais monter un secret, je vais donner l'ID du secret, et puis ce que je vais faire, bah, c'est juste faire un cat pour le mettre dans un fichier qui va s'appeler actual, et à la fin, je vais faire un diff entre expected et actual. OK? Donc juste pour vérifier que j'ai bien monté le secret qui allait bien avec les bonnes valeurs, et voilà. Oui, mais ce serait bien que je... compose-f... Je build progress, pareil, plain et no cache. Comme tout à l'heure, évidemment, malheureusement, obligé de tout rebuilder, donc aller re-télécharger les dépendances pour ce qu'il nous faut. Et là, vous pouvez voir que il a fait le diff et que là, il me dit j'ai fait le diff, tout s'est bien passé, tout va bien. Si je vais modifier mon secret ici, que je leur ajoute un petit bonjour, voilà, et que je réexécute, donc j'ai changé, vous voyez, j'ai changé le fichier secret qu'on monte au moment du build, et là il a détecté le diff et il me dit bah attends, j'ai des choses complètement différentes. Donc voilà un peu les nouveautés qui sont arrivées dans Compose V2, plus le fait qu'il soit complètement compatible avec la version 1, hein, c'était ça hein, le gros du boulot. Faire en sorte que toutes les fonctionnalités disponibles dans la 1 soient disponibles dans la 2. Et vous pouvez me croire, il y avait un certain nombre de edge cases et de choses comme ça, parce qu'il y a eu une croissance organique de la version Python de Compose qui fait que il y a même des choses, on s'est dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à supporter ça, quoi? Mais bon. On a fait en sorte d'être électro-compatible. Donc voilà. À retenir, c'est que grâce à la compose spécification, maintenant, vous n'allez plus du tout avoir besoin de vous occuper de vos versions. D'ailleurs, ce qu'on conseille, hein, c'est dès que nous, on a des issues qui sont ouvertes et tout avec la V2, on dit aux gens, non, mais on retire le numéro de version, vous n'en avez plus besoin. Quoi. Ça va. Parce qu'en fait, quand on commence à dire « Est-ce que vous utilisez Compose V2 ?», les gens disent « Non, non, j'utilise Compose V3 » parce qu'ils sont en train de faire référence au format de fichier. Vous voyez, on se retrouve vraiment dans un schmilblick. Donc là, on essaye de faire un maximum de communication autour de « Plus besoin de ce format de version à l'intérieur de votre Compose file. Ça, c'est plus nécessaire. C'est votre runtime qui va vous dire s'il est capable ou pas de supporter les options que vous avez mises. On a maintenant surtout un collège de mainteneurs qui est plus lié spécifiquement à Docker sur le format du fichier, ce qui offre une certaine pluralité et des nouveaux cas d'usage qui vont apparaître et qui vont être ajoutés au sein de la compose spécification, ce qui veut aussi dire qu'en fait ça va enrichir d'une manière un peu externe les fonctionnalités de Docker Compose et que c'est plus complètement piloté par Docker. Voilà. Même si on a quand même des gens qui font partie des mainteneurs de la spec, et du coup, on a notre mot à dire au passage, hein, mais on n'est plus les seuls à décider, ce qui est peut-être pas plus mal. Et Compose V2, on a un backport de nouvelles fonctionnalités ou de security fix qui est beaucoup plus rapide. Hein. Enfin, c'est release, je sais pas, il y a une faille de sécu dans la CLI, et ben, nous, aussitôt, on est au courant en interne via les équipes et c'est fixé automatiquement. Quoi. On n'a plus besoin d'attendre ou de backporter le code dans Python. Quoi. On a aussi, et ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais un alignement entre la Docker CLI et la command line de Compose qui est beaucoup mieux. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a peu de temps encore,
quand vous dites un Docker compose exec par rapport à un Docker exec, c'était pas le même comportement, notamment sur la réception des signaux pour killer et arrêter le process. Bah, d'un côté, c'était géré dans Compose d'une certaine manière, et puis de l'autre, c'est celle qui est dans la CLI depuis toujours. Et maintenant, on n'utilise plus et on shell out pas, on utilise directement l'API de la CLI et on a des comportements qui se rapprochent entre les deux CLI et c'est vraiment super intéressant et important pour les utilisateurs. Et puis, un effet de bord, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on cherchait à faire en remplaçant et en écrivant Go, c'est que certaines commandes sont plus rapides en Go qu'en Python, et donc on a une amélioration des performances, même s'il ne faut pas se leurrer, ça reste anecdotique, parce que ce qui prend généralement du temps, c'est quand même tout ce qui est fait par l'engine ou par le build, donc builder votre image, démarrer le conteneur, et tout ça, c'est ce qui prend du temps, c'est pas le fait de lister les conteneurs d'une stack ou ce genre de choses qui est vraiment consommateur de temps. Mais bon, c'est un petit side effect, bienvenue. Voilà, on arrive au bout du temps. Alors, je crois qu'on m'a dit, vu que j'étais le dernier, je pouvais prendre des questions, même si on débordait un petit peu. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est mieux comme ça. Non, pas de questions particulières. Eh bien, si c'est le cas, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. J'espère que vous avez bien profité de votre première journée ici et que vous allez apprécier autant celle de demain. Au revoir.